La gare du Creusot sur une voie de débord, là où est garée à longueur d'année la 241P17. C'est le début de la chauffe et on retrouve tout de suite les gestes des anciens. Pourquoi vous allumez vos chauffe-au bois ? La chauffe au bois est une chauffe plus lente, qui chauffe plus lentement la locomotive. Donc comme on a le temps, ça permet à la locomotive de chauffer tranquillement. Quoi. Après on passe au charbon. Et là elle va chauffer beaucoup plus vite et beaucoup mieux surtout. Combien vous consommez de stères de bois ? Une douzaine à peu près là. Peu à peu, la pression monte. Commence alors une série d'essais. Et déjà, des problèmes arrivent avec la pompe à eau récalcitrante. Alors actuellement, je suis en train de purger la pompe à sécrit pour la démarrer progressivement et d'éviter d'y envoyer trop de vapeur d'un coup. Au niveau de dilatation, le carter de vapeur ne supporterait pas trop. Donc on va la démarrer très progressivement, autant que l'huile elle vient partout. Et du coup, la laisser démarrer, faire la peau tout de suite. On va envoyer de la vapeur chaude dans un corps qui est froid, donc la vapeur va se condenser. Et je fais évacuer l'eau par ces purges pour que le moteur n'ait plus que de la vapeur pour marcher. Et cela demande un certain temps vu la masse du corps qu'on a. Pascal, tu envoies un coup de bélier et tu reviens. Regardez bien cet homme. C'est Yann Janodi, le responsable technique de l'association Les Chemins de Fer du Creusot. Un virtuose de la mécanique. Il n'est pas cheminot. Et pourtant, il a tout du cheminot. La tenue, bien sûr, mais les gestes, les connaissances et l'expérience. Il connaît sa 241P jusqu'au moindre vistamboire. Qu'est-ce qui se passe, Yann ? Alors actuellement, la pompe nous fait des caprices. Elle est un petit peu... Elle misère. Donc on essaie à deux reprises de la redémarrer. Et apparemment, le purgeur trace bien, mais la pompe refuse de partir. Alors, petite explication technique. Cette machine, comme les machines les plus récentes de la SNCF, toujours dans le souci de faire des économies d'énergie sur l'économie de charbon, était équipée de ce qu'on appelle des réchauffeurs d'eau d'alimentation, dont le nom était ACFI. C'est le nom de la... Alors, on va commencer à se présenter. Regardez bien. Vous avez deux pompes qui sont alimentées par un moteur à vapeur à piston. Le moteur à vapeur, le voici, avec le piston qui fait l'aller-retour. Elle entraîne cette première pompe, qui est une pompe à eau froide. Et là, il n'y a qu'à suivre les tuyaux. Elle aspire l'eau du temps d'air. L'eau du temps d'air, suivez-moi les tuyaux, regardez. Va là, regardez. On continue. Et l'eau du temps d'air va aller dans ces deux gros obus, ces deux grosses bonbonnes, qui sont de part et d'autre de la cheminée. Ça, c'est ce qu'on appelle des réchauffeurs. À l'intérieur de la vapeur, en quelque sorte, de l'eau est pulvérisée avec de la vapeur, de façon à récupérer des calories. Cette vapeur, c'est une vapeur que l'on prend sur tout un tas d'accessoires. Vous voyez, on gratte partout la vapeur où on peut. Autrement dit, l'eau, qui est à 15-20 degrés dans le temps d'air, ressort à 80 degrés. On suit le tuyau, l'eau à 80 degrés, c'est de l'eau chaude. Regardez, elle arrive là, hop. Et là, c'est la pompe d'eau chaude. Et la pompe d'eau chaude va la refouler, regardez, suivez le tuyau, tout là-haut, dans ce qu'on appelle une chapelle d'introduction. Elle est introduite dans la chaudière à 20 kg de pression, de façon à pouvoir lutter contre la pression de la vapeur, et avec un clapet anti-retour, d'éviter que la vapeur ne redescende dans la pompe. Bilan de l'opération, on économise, allez, quelques petits pourcents de chaleur, donc de charbon, au détriment, vous voyez tout de même, d'une installation qui s'apparente parfois au cauchemar du plombier. Alors la pompe à cette fille a enfin dernier démarré. Donc à force de persistance, au quatrième ou cinquième essai, elle est partie, on ne sait pas pourquoi, et là maintenant elle marche, voilà. Qu'est-ce qu'il faut essayer? On a l'impression que vous êtes un peu des commandants de bord d'avion avec une checklist. Alors, il ne faut rien oublier, parce que le moindre oubli au niveau d'un graisseur, ou d'une purge mal faite, ou d'un niveau d'eau, ou de quelque chose qu'on aurait oublié, pourrait avoir soit des conséquences mécaniques sur un organe non huilé, par exemple, ou sur un organe non purgé, l'eau étant incompressée, quand on arrive en fond de culasse, on casse tout. On a une checklist qui est un peu dans nos têtes à force de faire, et puis au fur et à mesure de faire, on s'aperçoit des améliorations qu'on apporte à chaque fois, et on essaye un petit peu de dresser une liste de tout ce qu'il faut faire. On a dû tout réapprendre sur cette machine, de A à Z. Dans sa restauration, dans ses codes d'ajustement mécanique, dans le montage des pièces qu'on a démontées puis remontées 11 ans après. Vous êtes mécanicien professionnel ? Oui, mais pas du tout dans le métier ferroviaire. Que faites-vous ? De formation, je suis dessinateur industriel. Et puis j'ai appris sur le tas la locomotive à vapeur depuis l'âge de 16-17 ans. Donc ça m'a fait bientôt 15 ans déjà que je suis dedans.
La chauffe au bois, par sa douceur, aménageait le foyer et permit la dilatation des organes. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La chauffe au charbon, à la pelle, s'il vous plaît. C'est l'art du chauffeur. Une couche uniforme sur les 5 mètres carrés de la grille. Pour les passionnés de la vapeur, il y a la fumée noire que vomit la cheminée. Et surtout, l'odeur inimitable du charbon qui brûle. Quatre heures plus tard, 14 bars au manomètre. La pompe à air débite. Jean-François, le mécanicien, procède alors aux essais du servomoteur de changement de marche. Tout fonctionne. Le monstre d'acier sort peu à peu de sa torpeur et est prêt à dévorer des kilomètres de voie. Dernier préparatif, le graissage. Pas une mince affaire. Tout le monde s'y colle, car des points de graissage, il y en a partout. Et regardez bien, chacun a sa spécificité. Ça, c'est ce que l'on appelle un graisseur à épinglette. On sort la petite épinglette pour faire pénétrer l'huile à l'intérieur du roulement. Alors, combien de temps ça vous prend? En gros, une petite heure pour faire tout le tour de la machine, en s'y mettant à plusieurs. Rien que pour les essieux, c'est-à-dire la lubrification du palier des roues qui se trouve dans le châssis qu'on ne voit pas encore ici. On en a 6 par essieu et on a 7 essieux, 6 fois 7, 42. Donc on a 42 points de graissage rien qu'à l'intérieur du châssis pour les essieux. À rajouter à ça tout l'embiellage, c'est-à-dire que par essieu on va avoir 1 à 2 points qui équivaut à la lubrification du manneton. On rajoute encore tout ce qui est annexe, c'est-à-dire la distribution. Si on est tout ajouté, je dirais entre 100 et 130, on ne sait pas loin de la réalité. À chaque nouveau départ, bon, nous on a tendance à surgraisser, je pense un petit peu trop. Maintenant on commence d'espacer nos graissages. Disons que la machine, dès que la machine se met à rouler 2h, 2h30, on fait un graissage complet. Et puis il y a le coup de chiffon, pardon, les coups de chiffon. La P17 est la dernière des belles de la SNCF. Elle mérite tous les égards. Et des recoins, Dieu sait s'il y en a sur une locomotive. Dimitri, viens voir, amène voir ton machin là. Quoi? Ah, ton le pchit-pchit, le pchit-pchit. Tu veux que je te foute un coup de pchit-pchit? Normalement, c'est moi qui fais les plaques et les phares. Normalement. Alors, pourquoi vous êtes obligé de la stiquer à chaque fois là? Pour qu'elle soit bien belle, puis comme les autres, les gens ils aiment bien la voir jolie. Très jolie, pimpante, toute neuve. Et puis, nous, on aime bien la voir propre aussi. Voilà. Ça vous prend combien de temps? Ça prend, je vous dis, facilement une journée, toute la stiquer, tout. Hein. On a l'impression que vous faites ça avec amour, vous aimez. Ah oui, c'est l'amour de... Puis même, ça va jusqu'à l'embrasser les matins. Et voilà comment, grâce à une poignée de passionnés, la P17 retrouve vie, comme au premier jour, en 1950, lorsqu'elle est sortie des ateliers de Schneider, au Creusot. Retour en arrière. Pour qui aime la vapeur, ces coups d'échappement reflètent la puissance de la montagne. Nous sommes en 1947. La SNCF a besoin de machines de ligne pour remorquer les rapides lourds, de plus en plus lourds, sur la ligne Paris-Lyon. Et au lieu de continuer à construire les puissantes 240P, le choix se porte sur 35 241P, dérivés du prototype 241C du PLM. Elles en reprennent l'architecture générale. Et elles bénéficient des dernières améliorations, dignes héritières de M. Chaplone.
Résultat, des machines élégantes, efficaces, qui font aussi bien que les 2D2 électriques. Et fort heureusement, 4 241P ont été sauvés. C'est le retour aux sources, puisqu'elle a été fabriquée au Creusot. Et elle est partie faire son travail sur le réseau français. Et elle revient au Creusot grâce à notre association, et elle revit. Et maintenant, on fait des trains touristiques sur le réseau national. Ben, il fallait peut-être une sacrée dose d'inconscience, peut-être, mais surtout une bonne dose de passion. Et puis, je dirais, une grande amitié entre les hommes qui ont permis cette restauration. On n'est pas des spécialistes, on est un rassemblement de gens passionnés avec des métiers complètement différents. Et on a réussi quand même à la faire refonctionner, avec bien sûr, je dirais, des compétences. Mais pas simplement des compétences, des gens qui ont eu beaucoup de volonté. Ça a pris combien de temps? Il y a combien de personnes? 13 ans, avec environ une quinzaine de personnes. Mais il y a dû y avoir des moments de découragement. 13 ans, c'est très long. Un petit peu, des découragements, mais le noyau dur est bien resté. Il est toujours présent aujourd'hui pour la faire fonctionner, la faire revivre. Le meilleur moment, ça a été au moment du démontage, parce que là, c'était vraiment... tout le monde s'y mettait avec beaucoup d'allant. Le deuxième moment intéressant, ça a été quand on a remonté les essieux et remonté la locomotive sur les essieux rénovés. Le pire moment, ça a été l'attente de décision avec la SNCF, justement en ce qui concerne les essieux. Quand on a craqué l'allumette, puis surtout quand elle a commencé de rouler. Il y a eu beaucoup de larmes ce jour-là, des larmes d'émotion et de joie, quoi. Retour en gare du Creusot, 6h du matin, une effervescence inhabituelle. Autour de la belle, encore endormie, le feu est retombé. Il n'y a plus de pression. Et le départ est dans 2 heures. Voilà, donc le feu était tombé dans la nuit, il a fallu tout reprendre ce matin, c'est-à-dire basculer le peu qui restait. On a remis du charbon et on a injecté un petit peu de gasoil. Petit à petit, le feu donc a pris. Et maintenant, on rétale le charbon progressivement sur la totalité du foyer pour qu'on ait un bon feu pour voir le départ. Et c'est là où l'expérience et le savoir-faire des hommes est irremplaçable. Peu à peu, l'aiguille du manomètre décolle. Jean-François Chaussin a revêtu la tenue des grands jours, autrement dit, la tenue de travail du mécanicien. Pour les cheminots, les halètements de la pompe à air sont comme les battements du cœur de l'engin. La paix a repris vie. C'est la dernière checklist. Dernière checklist, là on vient de tout passer en revue, donc moi j'ai fait mes essais de frein, j'ai fait toutes les manœuvres du changement de marche, du bypass et tout, et donc pour moi c'est ok. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de chauffer les cylindres? Oui, ben là j'étais en train de chauffer les cylindres un petit peu, oui, pour éviter la condensation, voilà. Et on n'a plus que l'essai de frein complet à faire avec le cadre traction et on est prêt au départ. Le cadre traction, appelé encore chef de traction, c'est lui. C'est Monsieur Sécurité de la SNCF. Il va accompagner l'équipe de conduite entre Le Creusot et Dijon. Dernier briefing avant le départ. On est revenu au code réglementaire, assurance pour la circulation. Okay. Alors là, on fait la partie administrative de la circulation, c'est-à-dire qu'on va donc contrôler avec le cadre traction l'ensemble des documents qui sont relatifs à l'autorisation de circulation et à l'aptitude de la machine à rouler, donc son agrément, les contrôles récents qui ont été effectués pour justifier qu'elle est opérationnelle au départ. Le conducteur, il y a deux choses. Il y a le conducteur qui est conducteur SNCF, donc qui a un titre d'habilitation de conducteur, ou alors c'est un conducteur donc, qui est passionné, qui suit une formation et qui est également habilité d'une autre façon. Et c'est à nous, cadre traction, de veiller à ce que tout se passe bien. Là, l'exemple du conducteur qu'on a, c'est un conducteur TGV en retraite. Donc à partir du moment où il est arrivé en retraite, tous ces papiers tombent, il n'est plus habilité à conduire, donc on est obligé de refaire le médical, la psycho, la connaissance de signalisation et l'aptitude à conduire.
Donc il repart de zéro. Je suis ancien conducteur TGV de la gare de Lyon. Pour avoir l'agrément sur cette locomotive, j'aurais passé tous les examens qu'un jeune conducteur qui veut embaucher comme conducteur SNCF passe. Donc j'aurais passé donc, la visite psychotechnique, les examens oreilles, les yeux. J'ai été deux jours avec un cadre de traction pour faire une remise à jour un peu de mes connaissances. Ça fait quand même 14 ans que je suis parti en retraite. Bon, puis ça s'est très bien passé. Et donc tous les ans, je passe une visite médicale aussi, comme tout conducteur qui se respecte. Donc vous voyez que je crois qu'on conduit avec sérieux et on peut être pris au sérieux. Allez. Encore quelques pelletées de charbon et c'est bon pour le départ. C'est bon ? Attends. Je te passe. Voilà. Allez. Ça marche à vapeur, là, non ? Tout à fait. Pour des raisons techniques, comme l'absence de plaque tournante, la P doit refouler sa rame sur un tiroir afin de se mettre à quai, tomber en avant. Si cela manque d'élégance, le spectacle est là. Ultime vérification avant le départ en ligne. Yann a peur de rien. Autant la paix est à l'aise à pleine vitesse, autant elle est mal à l'aise tendée en avant. Mauvaise visibilité, mais également, elle rechigne à s'inscrire en courbe et les grognements du bissel sous la cabine sont là pour nous rappeler que le 30 km/h est vraiment la vitesse limite acceptable. Chagny. La paix va retrouver sa place en tête du convoi. Et les manœuvres en gare sont toujours une attraction, car elles permettent de voir fonctionner au ralenti le subtil mécanisme des bielles. Et regardez bien, voilà qui s'appelle un accostage en douceur. On en profite pour refaire le plein d'eau. Une petite dose de TIA
histoire de lutter contre le calcaire. Et tout aurait été parfait si ce n'était une durite d'eau entre le tender et la machine qui a explosé. On a beau avoir pensé à tout, mais il y a le détail qui tue, celui auquel on n'avait pas pensé. Résultat, quelques heures d'attente sous un beau soleil d'automne. On attend une pièce de rechange et c'est enfin le vrai départ pour un circuit touristique qui va mener le convoi jusqu'à Mulhouse en empruntant la magnifique vallée du Doubs. Au Manche, sous l'œil du chef de traction, Jean-François Chaussin. Il a retrouvé les gestes des roulants vapeur. Il ne quitte pas des yeux la voie et le flamand. Serge Chevalier est le chauffeur du jour. Son regard va de la voie au manomètre. À lui, la production de la vapeur. Allez, goûtons notre plaisir, ambiance à bord à 100 km à l'heure. Sans arrêt là, vous réglez quoi, c'est ? Là, c'est les arroseurs de cendrier pour éviter qu'il y ait du feu dans les cendres en dessous. Donc ça, je les ouvre de temps en temps. Voilà, je vais refermer. Et là, vous ensuite pour le charbon. Voilà, là, c'est la vis du stocker de l'arrivée du charbon. Donc, voilà, on le voit arriver là. Et on y en met par petits coups. Ensuite, ici c'est la puissance des jets. On y envoie plus ou moins loin dans le foyer. Pour répartir le charbon dans le foyer. Et l'eau pour la chaudière, vous devez la surveiller ? La surveille sans arrêt avec le niveau d'eau. Et on va régler avec la pompe à eau grâce à cette vanille ici. Hein. Donc il faut sans arrêt regarder le niveau d'eau, regarder le profil de la ligne. Ça descend ou si ça monte. Sans arrêt, il y a du boulot, sans arrêt. On n'arrête jamais, on ne voit pas le paysage. Jamais. Et on surveille la couleur de la fumée pour voir effectivement si on a une bonne combustion. Jean-François, je n'allais pas dire quel est votre rôle, mais qu'est-ce que vous devez surveiller en permanence ? Alors surveiller, déjà la première chose, surveiller la voie et les signaux, en premier. Ensuite, tout ce qui est appareillage de frein. Tout ce qui est admission de vapeur. C'est sans arrêt, quoi. C'est la main sur le régulateur, sur la poignée de frein. Tout à fait. Alors là, on est dans une zone justement de ralentissement. C'est ce qu'il y a de plus dur à tenir, 70 à l'heure. Alors c'est sans arrêt le régulateur. Et quand ça descend, malheureusement, j'ai pas de freinage aérostatique. Donc je suis obligé de serrer les freins. Le frein, c'est quel robinet ? C'est celui-là. Là, ça, c'est... Ça, c'est le changement de marche avec les différents régimes de marche. C'est-à-dire qu'on peut réguler l'admission de vapeur, la durée d'admission de la vapeur pendant le fonctionnement du piston. Là, ce robinet... Ça, c'est le frein direct. Hein, ça sert que la locomotive. On remet un peu, ça monte ? Ouais, j'en remets un petit peu, oui, parce que là, on est en train de... Ça remonte. On arrive à Besançon, mais le boulot n'est pas fini, pourquoi ? Alors on va faire l'arrêt à Besançon et le but de l'opération est d'arrêter le tender en face de la bande d'incendie. Donc on va repérer de telle façon qu'on ait le moins de tuyaux possible à dérouler. Parce qu'il faut refaire de l'eau déjà ? Alors on refait un complément d'eau d'environ 12-15 mètres cubes, qui est un complément de sécurité. On pourrait se permettre d'aller au bout sans en remettre, mais si pour une raison ou pour une autre on est arrêté en pleine ligne, autant avoir les cuves pleines d'eau. Donc on a une heure d'arrêt, on en profite pour faire un complément de sécurité. Tu laisses mourir, laisse faire.
On a un ray à 15 mètres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, on est bon, on s'arrête. Un demi-siècle sépare ces deux engins. Et devinez vers qui convergent tous les regards. Devinez qui est la reine d'un jour. Est-ce que vous avez choisi ce type de lunettes là? Regardez comment on le fait alors. Prends la sur la piste. On refait du gaz, comme on dit. On refait le plein d'eau et voilà comment on sait que le niveau est atteint. Allez, une petite goutte d'huile, ça ne fait pas de mal. Mon Dieu, qu'elle est gourmande. Yann, c'est quoi ce coup de marteau? Alors je vérifie toutes mes liaisons mécaniques, à savoir les clavettes, voir si durant le mouvement, il n'y en a pas une qui serait en train de se desserrer. Donc je les sonde au marteau pour m'assurer qu'elles soient bien à leur place correctement. Ça, c'est une visite de sécurité et également graissage. Le graissage et la visite de la machine, on s'assure que mécaniquement, elle aille bien. Là, la clavette, elle bouge, là, la clavette? On a une clavette qui bouge, donc on va pas le faire tout de suite, mais certainement ce soir, on devra procéder à son resserrage. Là, ça va être un peu long de le faire. On va rouler comme ça, mais on devra la resserrer avant le départ de samedi. Il n'y a pas de risque? Non, là, il n'y a aucun risque. Non. Là, elle est tenue de part et d'autre, c'est un contrôle préventif. Donc ce soir, par contre, on va la corriger. On va pas la laisser comme ça. Pour ça, un écrou qui est tenu par une goupille qui demande à être un petit peu resserré. Et regardez bien, l'équipe de conduite a changé, c'est la relève. Au manche, un bleu, un tout jeune mécanicien, Jean-Christian. C'est son premier lâché sous l'œil de Yann et du chef de traction. Instant émouvant, il a entre les mains un monstre de 132 tonnes capable de délivrer 4000 chevaux. Première leçon de conduite. Comme ça va le coca. Et tout de suite, il a le coup d'œil des anciens. Jean-Christian sait qu'une machine à vapeur, ça s'écoute vivre. Et surtout, regardez la stupéfiante accélération de l'engin. Ambiance à bord dans les tunnels. On ne voit presque rien. Mais surtout, il y a les fumées qui se rabattent et envahissent la cabine. Un coup d'œil à la magnifique vallée du Doubs. Et ambiance à bord chez d'autres passionnés. Lorsque nous avons vu dans la presse qu'il y avait ce voyage en locomotive, on trouve que c'est un petit peu le patrimoine.
Et c'est bon, c'est un petit peu, je dirais, folklorique. Moi, je trouve admirable que des gens se soient investis pour la restaurer, cette locomotive. C'est vraiment, on reconnaît là la passion de tout un groupe de gens qui ont travaillé à une certaine époque à la construction de cette locomotive. Oh, les petits rondis, t'as vu? J'adore la vapeur. C'est des engins formidables, majestueux. C'est magique. Et là, ce voyage, là, c'était un rêve hein, que vous vouliez faire. Bah oui, parce que bon, c'est les occasions qu'on ne peut pas louper. C'est tellement rare de pouvoir profiter encore de ces vieilles choses. Et c'est vraiment un plaisir. Là, vous êtes bien sage, là, mais vous attendez votre tour pour conduire? Ah, tout à fait. On est là, toute l'équipe de relève. On va reprendre le chemin du retour tout à l'heure, là. Et puis, on est tous attentifs, on est passionnés, on se demande ce qui se passe devant. Mais après, ça va être notre tour. Donc, on va reprendre notre revanche. Et on va être vraiment... c'est génial, quoi. Nous, on se pose toujours la question, un train à vapeur, comment ça marche? Mais bon, on est là. Là où vous êtes faire. Là où vous êtes faire. Gare après gare, c'est toujours le même accueil, enthousiaste, chaleureux. Et oui, la bête humaine séduit, fait rêver. Et voilà ce qui s'appelle faire un beau démarrage au purgeur. En cours de route, Yann doit corriger à l'appel une mauvaise répartition du charbon. L'avant est dégarni et l'air froid du cendrier va venir refroidir les parois. Ça, c'est ce que l'on appelle l'expérience, le doigté. Et tunnel après tunnel, on parcourt la magnifique vallée du Doubs. Déjà 3 heures que nous roulons, et c'est le terminus pour nous, Mulhouse. Il faut dire qu'on n'a pas vu le temps passer, tellement il y a de choses à faire et à voir à bord. Alors Jean-Christophe, c'était ce qu'on peut appeler, en termes d'aéronautique, le premier lâché. C'est la première fois que vous étiez seul aux manches. Ah bah tout à fait, oui. J'ai commencé la formation avec Yann Janodi, déjà sur quelques voyages précédents, de façon très ponctuelle. Et puis donc là, après avoir obtenu les sacrements SNCF en termes d'autorisation médicale, psychotechnique et une petite formation pour les règlements, ben je suis autorisé maintenant à conduire. Et donc c'est la fin de la formation en fait. La formation sur le terrain, sur des longs parcours.
C'était un rêve pour vous. C'était un rêve. C'est un rêve qui dure depuis longtemps, effectivement, la conduite des trains. Et ben là, c'est l'occasion de la réaliser. Et ben voilà, ça y est, le Creuse 2012, impeccable. À l'heure, allez, 2-3 minutes de retard. Belle performance. Ça reste tout de même, vous allez voir. Attention, on descend toujours en arrière. Reste tout de même des impressions assez étonnantes. La première de ces impressions, vous la voyez, vous voyez dans quel état je me trouve. D'accord, on m'a prêté blouse, le foulard, les lunettes. Et si vous voyez celui qui est derrière la caméra, Bruno Caron, alors lui, il est encore pire que moi. Autre impression, l'ambiance à bord. Ça vibre, ça fume, ça chauffe. C'est étonnant. Je dirais, c'est génial. Allez, avec Bruno, on a fait le record du monde TGV. Nous étions dans la cabine, nous avons eu cette chance. Eh bien, on a eu beaucoup moins de sensations à 568 à l'heure dans le TGV que de rouler à 90-100 km/h avec la 241P. En résumé, je dirais, c'est géant, c'est génial. Et c'est parce qu'il y a eu des hommes, des cheminots qui ont roulé avec cet engin qu'on a pu faire du chemin de fer, du vrai chemin de fer. Salut! Immobile, la machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait dans tout ce noir, où elle s'effilochait en petite fumée. Semant de larmes blanches, le deuil sans bornes tendu au ciel. C'était une de ces machines d'express à deux essieux couplés, d'une élégance fine et géante, avec ses grandes roues légères réunies par des bras d'acier. Son poitrail large, ses reins allongés et puissants. Toute cette logique et toute cette certitude qui font la beauté souveraine des êtres de métal. La précision dans la force. Jacques tournait autour d'elle, l'inspectant dans chacune de ses pièces, tâchant de découvrir pourquoi, le matin, elle lui avait mangé plus de graisse que de coutume. Et il ne trouvait rien. Elle était luisante et propre. D'une de ces propretés gaies qui annoncent les bons soins tendres d'un mécanicien. Du numéro qui la désignait, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par tendresse, en avait fait un nom de femme.
la liaison, comme il disait avec une douceur caressante. C'était vrai. Il l'aimait d'amour, sa machine, depuis 4 ans qu'il la conduisait. Il en avait mené d'autres, des dociles et des rétives, des courageuses et des fainéantes. Il n'ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d'os. De sorte que s'il l'aimait, celle-là, c'était en vérité qu'elle avait des qualités rares de brave femme. Elle était douce, obéissante, facile au démarrage, une marche régulière et continue grâce à sa bonne vaporisation. On prétendait bien que si elle démarrait avec tant d'aisance, cela provenait de l'excellent bandage des roues et surtout du réglage parfait des tiroirs. De même que si elle vaporisait beaucoup avec peu de combustible, on mettait cela sur le compte de la qualité du cuivre des tubes et de la disposition heureuse de la chaudière. Mais lui savait qu'il y avait autre chose. Car d'autres machines, identiquement construites, montées avec le même soin, ne montraient aucune de ses qualités. Il y avait l'art, le mystère de la fabrication. Ce quelque chose que le hasard du martelage ajoute au métal, que le tour de main de l'ouvrier monteur donne aux pièces. La personnalité de la machine, la vie. À autre, jetait-il un coup d'œil sur le manomètre, tournant le petit volant de l'injecteur dès que la pression atteignait 10 kg. Et c'était sur la voie, toujours, en avant, que revenait son regard, tout à la surveillance des moindres particularités, dans une attention telle qu'il ne voyait rien d'autre, qu'il ne sentait même pas le vent souffler en tempête. Chaleur ardente leur brûlait les jambes à tous deux. Puis la porte refermée, de nouveau le courant d'air glacé souffla. D'habitude, les deux hommes s'entendaient très bien dans ce long compagnonnage qui les promenait d'un bout à l'autre de la ligne, secoués côte à côte, silencieux, unis par la même besogne et les mêmes dangers. L'aiguille du manomètre était remontée à 10 atmosphères. La liaison donnait toute la force dont elle était capable.
même un instant, voyant le niveau d'eau baisser, le mécanicien dut faire mouvoir le petit volant de l'injecteur, bien que cela diminuât la pression. La machine ronflait, crachait, comme une bête qu'on surmène avec des sursauts, des coups de rein, où l'on aurait cru entendre craquer ses membres. Tombait. Jacques redoublait de prudence. Il avait rarement senti la Lison si obéissante. Il la possédait, la chevauchait à sa guise, avec l'absolue volonté du maître. Sans cesse, des trains filaient dans l'ombre croissante parmi l'inextricable lacs sidéral. De toutes parts, un à un, apparaissaient des feux, rouges, verts, jaunes, blancs. C'était une confusion à cette heure trouble de l'entre-chien et loup. Par la vitre de l'abri brouillée d'eau, il ne distinguait rien. Et il restait la face sous la rafale, la peau flagellée de milliers d'aiguilles, pincée d'un tel froid qu'il y sentait comme des coupures de rasoir. Il semblait que tout allait se briser. Et tout passait, se frôlait, se dégageait. Du même mouvement doux et rampant, vague au fond du crépuscule.